quotidien. Parce que ça dépend, parfois, il y a des publics qui s'en souviennent et il y a des publics qui s'en souviennent pas. C'est donc Hey Jude. Mais donc c'est fou quand même, parce que la mélodie de Bach, c'est celui... Bref, on connaît très bien cet air, etc. Mais on connaît très bien... C'est à peu près la même chose. Bon, je ne dis pas que Paul McCartney a copié Bach, mais je ne dis pas non plus le contraire. Voilà, maintenant ici, c'est à notre tour de copier vraiment un autre groupe. Ici, c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur parce que bon, je suis belge, mais j'ai grandi aux États-Unis et pour moi, une grande partie de mon patrimoine culturel, si on peut dire, se situe là-bas aux États-Unis. Et en particulier avec la musique folk des États-Unis, le bluegrass. Et ici, on va vous jouer en fait une pièce qu'on a arrangée en janvier. J'ai passé toutes mes vacances de Noël à essayer de transcrire ceci d'oreille. Ça a pris du temps, mais ça valait vraiment la peine. Et donc ici, c'est une pièce qui s'appelle Three Dots and a Dash, trois points et un trait, d'un groupe de bluegrass américain, les Punch Brothers. Maintenant, trois points et un tiret, si on peut dire, ça pourrait être le signe Morse pour la victoire, oui. Mais en fait, c'est le nom d'un cocktail exotique. Voilà. Je pense qu'il y a du rhum dedans. Pragmatique, je suis idéaliste.